faire découvrir la montagne basque de façon originale et conviviale, tout en sensibilisant les gens à la bonne cohabitation des usages. Voici l'objectif de la première édition de Mendibiziak, la fête de la montagne basque. Au total, ce sont une cinquantaine de manifestations qui se sont déroulées du 13 juin au 31 juillet 2014, de Biriatou à Saint-Engrâs. Merci d'être venu à cette sortie pour découvrir le secret des plantes. On profite de cette manifestation pour vous faire découvrir un peu la nature qui nous entoure. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller très loin, là on va aller juste derrière cette colline et on va vite être en plein cœur de cette nature et vous allez voir, ça va être génial. Cette plante est assez magique. On l'appelle le millepertuis perforé. Parce que si on prend une feuille et qu'on la regarde au soleil, on peut voir plein de petits trous à l'intérieur. Donc c'est un moyen pour la reconnaître. Donc on récupère les fleurs et on trempe ça. On met ça dans un bocal en verre et on remplit d'huile d'olive. Soit on fait ça au bain-marie, soit on laisse macérer pendant plusieurs semaines en plein soleil. Et après, l'huile devient rouge. Et quand elle est rouge écarlate, c'est le moment de la filtrer et après de s'en servir. Association d'éducation à l'environnement, association culturelle ou sportive, office de tourisme, commune, plus de 30 acteurs du territoire se sont mobilisés pour faire découvrir au public toutes les facettes de cette montagne basque. Vie agropastorale et produits locaux de qualité, richesse du patrimoine naturel et culture vivante, diversité des activités de plein air. Nous sommes une association de VTT, Bikikos VTT, et nous avons décidé d'organiser la traversée d'Iparralde en trois étapes, au total 150 km, avec une étape aux Aldudes, une étape à Sarre et troisième jour à Biriatou. On est aujourd'hui 18, demain on sera un petit peu plus, une vingtaine. Et ce sont des gens du Pays Basque, un peu d'ailleurs. Il y a quelques Béarnais et pas mal de citadins de la côte basque. Voilà. Donc qui sont peut-être moins habitués à cohabiter avec les populations de montagne. Et nous avons rencontré des gens qui habitent la montagne, qui en vivent. Nous sommes des pratiquants loisirs de vélo et il faut qu'on sache mieux cohabiter pour pouvoir nous pratiquer notre activité sans déranger les gens qui vivent de la montagne. Mendibiziak, la fête de la montagne basque, a offert une large palette de manifestations pour tous les publics. Initiation à l'escalade et à la spéléo, visite de grottes, raid équestre, immersion en forêt. Il y avait une ombre menaçante, écrasante, une espèce de regard inquiétant sur cette ville. C'était la forêt. On avait menacé s'approcher et observer. Mendibiziak, la fête de la montagne basque, a permis aussi d'aller à la rencontre des bergers, de déguster du fromage d'estive, d'observer des rapaces. Pays basque, en couple de reproducteurs connus, on a 384 couples de vautours répertoriés. Thank you.
vous avez les devinettes. D'accord. Et au verso, vous avez les énigmes. En organisant ce jeu de pistes, ici, sur le plateau d'Irati, le CPIE Pays Basque a voulu proposer une animation originale à un public familial, tout en s'inspirant donc sur la série télé américaine Les Experts. Et c'est un jeu de pistes donc qui est proposé en français et en euskara. À l'aide d'une carte truffée d'indices, les participants doivent répondre à des devinettes, élucider des énigmes tout le long du sentier pédagogique. Ils doivent par exemple citer un oiseau carnivore au bec crochu. Nous leur demandons également de nous citer les différents milieux naturels, comme par exemple les tourbières. Ce jeu de piste, il a pour objectif de prodiguer également les bons conseils de Bachadiaoun, les conseils de bonne pratique en montagne. Au terme de ce jeu de piste, les experts auront trouvé non pas les coupables, mais les femmes et les hommes qui font cette montagne basque, ceux qui en vivent toute l'année, ceux qui l'utilisent comme activité de loisirs sportive, et j'espère ainsi qu'ils auront ensuite, à l'issue de ce jeu de piste, une autre approche de la montagne basque. Par des animations sportives, pédagogiques ou ludiques, cette première édition de Mendy Bissillac a fait connaître la montagne basque au-delà de la carte postale. Une montagne vivante, riche et diverse, où existe une dynamique de projets.